Okay. Là, parce qu'on a quand même du taf en fait. Si c'est moi qui la prends, je vous jure, je porte plainte. Rado juxta. Ah putain de dyslexie! On a affaire au meilleur coureur du département. Arrête-toi là! Tu cours si peu vite! Ah, t'es qui toi? Non! T'écoute pas, c'est celle de ma mère! Et je défonce pas ma caisse, mec! Oh, tu t'arrêtes, je suis la police! Sors du véhicule! Allez, sors de la caisse! Sors de la caisse de moi! Moi aussi, je pensais que ça allait arriver, Cosa! Excusez-moi, on est bien d'accord que vous me déposez chez moi. Putain, fais chier là! Ouais, oh, oh! Les petits mots là! Bon, du coup, je vous pose à Charenton, c'est ça? Ouais, ouais, bah c'est écrit en fait dans l'application. Je vous jure! Putain, ce petit solo de sax. Oh la vache. Ah là, je suis à Memphis, là, je suis dans le Tennessee, je suis loin. À Paris, c'est vraiment fou en ce moment là. Charline, là, s'il te plaît. Vous avez pas de téléphone là, sur vous? Écoute, t'es pas censé me regarder, tu regardes la route, donc t'es pas censé le savoir. Tu peux le prouver comment, ce que tu vas me dire? Avec le réponse. Bah non. On m'a éjecté de mon véhicule. Vous y croyez ça? À l'instant, c'était juste là-haut, pour la rue. On vous a déjà dit que vous ressembliez beaucoup à Idriss Elba. C'est moi, ouais. Voilà, c'est bien ce que je me disais, vous êtes Idriss Elba. Je suis sur le tournage de Luther, là, justement. Et... Je pense que j'ai dû arrêter de regarder la télé vers 2011. Parce qu'il passait tout le temps les mêmes trucs en boucle. Et heureusement... Attends, c'était une intro? Mais quoi? Ce qui est cool, c'est qu'aujourd'hui ça a bien changé. Ils ont grave varié la grille des programmes et c'est vachement différent quoi. Il y a beaucoup de. Non, je vous ai pranké. En fait, ils les diffusent encore plus et en boucle. D'ailleurs, la police, elle se tire un peu une balle dans le pied avec ces émissions. Parce qu'ils expliquent toujours très précisément comment les gens ils font pour contourner la loi. Chaque année, des millions d'automobilistes se font flasher par ces radars automatiques. Néanmoins, certains d'entre eux parviennent encore à frauder grâce à de petites astuces bien rodées. Ce qu'ils font généralement, c'est un truc tout con, c'est qu'ils repeignent le capot de la voiture en vert ou en turquoise. En tout cas, une couleur qui réfléchit la lumière et du coup, la voiture n'est pas détectée, quoi. Ah non, même pas. Sinon, tu mets du scotch orange aux quatre coins du capot, ouais, tu dévisses un angle de la plaque et tu plies un peu avec une pince. Tu l'achètes à Brico-Dépôt, là, il y en a à 300 mètres. C'est ouvert du lundi au vendredi et des réducs en ce moment et c'est garanti 30 jours. Bon, sinon, nous, on a tout le matos qui est là. En fait, c'est ça, hein, c'est très simple. C'est... De toute façon, on a tout listé en détail sur notre blog. Évite les flashs.blogspot.net. C'est moi qui l'ai codé. Voilà. Le king du JavaScript. Photo.
Voilà. Mais bon, ça c'est du passé, puisque on a reçu des tout nouveaux radars qui sont infaillibles. Ah ouais, là c'est... À part si vous avez des plaques en aluminium et que vous faites des appels de phare comme ça pendant 30 secondes, le radar il disjoncte pendant une minute et... Pendant ce temps-là, vous pouvez faire passer les potes derrière, ça peut faire des runs, 150, 200, pieds au plancher, toute berzingue, ça sera pas repéré, quoi. Mais faut pas le faire, faut pas le faire. Non. Ça m'est déjà arrivé de devoir le faire, mais parce que voilà, j'avais une urgence et je comprends que des gens puissent le faire. Mais... Une sortie de soirée, on est un petit peu fatigué, tout le monde a bu. De la Poliakov, voilà, donc. On a hâte d'aller dormir, bon, comme la fois. Sonia a été. Du drift en rond-point. Tellement l'air rentré. Donc là, quand j'arrive au niveau du radar, je me cache derrière et j'ouvre la trappe à gauche. C'est tout le temps à gauche. Il y a deux fils, c'est un marron et un jaune. Vous coupez les deux et ils ont la même utilité. C'est peut-être rare. Et voilà, le radar est désactivé. Oh, les refs, sérieux. C'est une technique qui est très connue des malfrats, mais il faut pas le faire. Faut pas le faire. Attends, le site il marche. Le site il marche, c'était quoi le site? C'est peut-être un rond. Faut pas le faire. Non. Les plaques en aluminium et que vous faites des appels là. En fait, c'est ça, hein, c'est net. C'est flash.blogspot.net en détail sur notre blog. Évite les flash.blogspot.net. Non, je crois pas que ça existe, hein. Y'a un truc ou pas? Non, y'a pas. Ok. C'est moi qui l'ai codé. Voilà. Et parce que, voilà... Sonia était... du drift en rond-point. Voilà, c'est une technique qui est très connue des malfrats, mais... Mais faut pas le faire, faut pas le faire. Après, si c'est encore diffusé, c'est que ça marche. Les gens doivent kiffer l'action, l'adrénaline que ça procure. Quand il y a des perquisitions et que les flics retournent littéralement tout l'appart du suspect qui est chez lui en train de dormir... Il est 6h du matin. L'équipe d'intervention de Montargis procède à une perquisition. La police, Leurs méthodes sont rodées depuis des années passées sur le terrain, ce qui leur permet de ne rien laisser au hasard. Y'a pas de gâteau là? J'aime aller où tu te caches là? Tu te caches où, j'aime aller? Ouais, prends le, mets le côté. C'est la police là, Gâteau marbré, oh putain. C'est sa conviction ça. Oh là, nickel. Non, on sait jamais ce qu'il y a dedans, il peut y avoir du crack. Avec 6 pommes seulement. Mais ouais, oui. Oh là, comment il est mignon. Un nombre conséquent d'objets suspects est trouvé sur place. Police là. Tous pourront faire office de pièce à conviction pour un éventuel procès. Et là, coup de théâtre. Pas de chance pour la brigade de Montargis, qui doit faire face à un suspect résistant. Obstiné. Attends, j'ai peur de vous. Et doté d'un atout plutôt hors du commun. Non, mais attends, Non, mais non, mais je peux pas. Mais je vais me faire ban. Ah, je vais me faire ban, wesh, mais c'est quoi ça? Obstiné. Et j'ai doté peur, d'un atout plutôt hors du commun. Son talent d'orateur. À l'entendre, ce n'est pas la première fois qu'il crie. Et doté aussi d'un autre atout, son agilité. Bien y regarder, le suspect semble doté d'un troisième atout. Un accent marseillais qui ne serait pas sans rappeler les plus grandes heures de Marcel Pagnol. Il ne porte aucune arme en apparence, mais sa posture agressive met nos trois agents en position de faiblesse. Vas-y Thierry! Waouh! 432, Thierry pour la centrale! On a une verge surgissante avec refus d'eau tempéré! Vas-y! Immobilisez-la, s'il vous plaît! C'est toi qu'on appelle Rocky Balboa! On va te voir arrêter suspens en dos, le feu! Il a également une énorme bite. Après, si c'est vraiment lui le coupable, tu le vois assez vite, hein. Généralement, il a une bonne répartie de merde. Et la voix off, elle prend toujours pas mal de plaisir à bien l'enfoncer, quoi. L'individu est désormais sous contrôle. Pour l'équipe d'intervention, l'heure est à l'interrogatoire. Le suspect nie les faits. Pourtant, il portait bien un couteau sur lui. C'est pas à moi, vous comprenez pas, c'est pas à moi. Mais attention, il est fou, attention!
Pourtant, il le portait bien sur les caméras de surveillance. Mais non, c'est pas moi, tu vois pas, il a maillot de foot, d'où j'ai une tête à mettre des maillots de foot. Encore une fois, ces mensonges ne dupent personne, car sous son sweat à capuche, il porte un maillot floqué à Krapovic 21. Tout comme celui révélé par les caméras. En plus de mentir très mal, il porte un haut de Manchester United et un bas de Manchester City, deux équipes historiquement rivales, ce qui fait de lui un véritable footix. C'est une perquisition, je me suis habillé vite fait, vous croyez? Ça n'en reste pas moins une faute de goût. Le suspect semble tendu et confus. Il bafouille comme une merde. Regardez-le bien là, paniqué avec ses yeux de fouine. Comme quoi, le karma, ça paye un jour. Qui c'est qui parle là? Étienne Capucin, celui que t'as arrêté de la 6ème à la prépa. Etienne. Alors c'est qui le bolos maintenant là, hein? Hein, c'est qui là? Tiens, on t'entend gueuler putain là. Ça quoi, Thierry, frérot? Tu te rappelles quand tu m'as servi du jus de pomme et en fait c'était de la pisse? Etienne, tu es la famille. Tu te rappelles quand tu m'as fait croire que je faisais bien le moonwalk et qu'après à la boum d'Anne Sophie je l'ai fait et tu montais foutu de ma gueule? Elle est ok, là maintenant tu le fais trop bien, non? Oui. C'est peut-être le parquet qui glisse pas trop. Bah, tu te rappelles pour le dernier Halloween que tu m'as dit que de peindre mon visage en noir c'était une bonne idée? Ça t'aurais dû le savoir, ça peut-être quand même, non? C'était il y a 2 semaines, tu le savais toi? Oui, même avant, je pense que... Par contre, les caméramans qui filment ces reportages, je suis pas sûr qu'ils aient toujours rêvé de faire ce métier. Hein. Je pense pas qu'ils se soient butés aux films de Christopher Nolan et Stanley Kubrick, qu'ils aient réalisé des petits courts-métrages avec une caméra mini DV, puis qu'ils aient fait un BTS audiovisuel, option image, une visite dans les studios de la Paramount, puis ça enchaîne, une licence, un master en cinéma, pour au final se faire insulter leur grand mort par des mecs en garde-à-vue. Je te nique ta mère! Ta mère, je la nique, regarde-moi bien. Tu me filmes encore ta grand-mère la folle, que je suis assiré ou quoi? Tiens, filme mes couilles, oh fils de pute, hein. Avec tes peurs au chocolat au pied, ta dégaine de technicien intermittent. Non. 430 euros le cachet, fils de pute, hein. Ta mère, je la nique, regarde-moi bien. Fou, fils de pute, hein. Je crois que c'est Arte ou quoi, ta grand-mère? Vas-y, dégage, hein. Va, tous les mecs en prison, regardez bien mon visage, hein. Dans 2 semaines, je suis là. Bilal, fils de pute, tu es rentré à 6 ans, mes 45 euros, je les récupère, ta grand-mère. Semaine prochaine, je suis là. Et l'album, hein. La lame 3, ça sort bientôt. Regardez-les, ces fils de pute, ils vont m'emmener là. Le camion, il est en bas, il attend. C'est pas lui pour la Porsche. C'est pas vous pour la Porsche, on est désolé. Comment ça? C'est pas vous. On est vraiment désolé pour. Mais si, c'est ça, moi. Vous êtes libre là, ça y est. On a regardé les images, c'était moi. Vous êtes libre. Voilà. Mais j'étais bien comme ça, frérot. On va se mentir, en ce moment, c'est pas le meilleur timing pour être Philippe. Et d'ailleurs, je me dis, c'est relou pour les bons keufs. Parce que ça les met dans les mêmes sacs que les keufs nuls. Bah ouais, c'est de leur faute. Hein. Je suis sûr qu'avant, quand ils allaient en soirée, ces mecs-là, on les regardait toujours, hein. Limite en shérif, super-héros. Ah, même maintenant, à peine ils disent. Moi, je suis poli. Si? T'es policier? Raciste. Glotte, je suis polyglotte. Je parle plusieurs langues en fait. Ah, ok, ouais. Bah, par exemple, le Wolof. Ah, le Wolof? Nankadev. Ouais, bah, Bengefi. Ah, vraiment là? J'ai mal au dos là, j'ai travaillé toute la journée. Mais ça m'empêche pas de courir vite. Je suis livreur Uber Eats. Ah, Macarena. Évidemment, j'extrapole, ils sont pas tous comme ça. Et les reportages sur la police sont là pour nous le rappeler, justement. Dans l'émission, il y a toujours une séquence où tu vois le flic chez lui, en famille, après avoir fini le service dans sa vie privée. Et là, tu vois vraiment la différence entre le travail et la vie privée. C'est vraiment pas la même chose. C'est le week-end. Thierry retrouve sa petite maison de banlieue, loin des tensions de la ville. Son petit havre de paix, comme il aime souvent l'appeler. Attends, j'ai le bar terre, ça. Je suis rentré. Papa! Jean-Phi, Richard, chérie. Oh, deux filles, mon chien! Une fois chez lui, il troque sa tenue de policier municipal pour celle de papa modèle. Bon, souris. Un père toujours à l'écoute, voilà. Mais également un mari dévoué. Village, vacances. Et il faut sélectionner les dates. Il faut sélectionner... Non, en fait, il faut vraiment... Les dates. Ça beurre, là, putain. Ah! Allez, pourquoi ça marche pas? On a un refus d'obtempérer. Allez, là! On achète ça en 2002 et ça bug, là! Putain, quoi? Calme-toi, là. C'est toi qui as commencé, là. Il y a une témoin qui est là. Hein, Véro? Véro! Ah! Ah, il m'a... Ah, il m'a mordu! C'est pas filmé, ça. Ah, non, ça va partir en bavure. Non. Ah. Les petits plaisirs du quotidien sont souvent les plus simples. Qu'est-ce que c'est ça? Et Thierry y puise là toute l'énergie positive qui lui sera nécessaire au bon déroulement d'une semaine qui s'annonce très chargée à la brigade. Ça tombe bien, je commence à trembler. Lorsqu'il est chez lui, les activités de Thierry sont des plus banales. Moi les gars, je suis pas armé, hein. L'occasion de se reconnecter et partager des activités communes. Oh putain, ils sont encore là! Thierry met un point d'honneur à chérir chaque instant auprès de ceux qu'il affectionne le plus au monde, sa famille.
Bon, on graille ou on gratte les meules, là? Qu'est-ce que... Tiens, d'ailleurs, tu me feras penser, hein, il faut qu'on rachète des biens. Tu as fait ta prise du sommeil? Non. Ok. Bon, t'es doux. Je mets la veilleuse? Non. Allez, si. Comme tout le monde, Thierry a des petits coups de mou. Un week-end rempli d'amour pour Thierry, qui dès demain retrouvera son quotidien de policier municipal. Mais en attendant, l'heure est à la détente. Vous avez pas vu une bière dans la chambre? Vous savez, le boulot, c'est le boulot. Là, on se détend. La phrase typique d'un flic quand il est dans la vie civile, ça reste quand même « Je suis un citoyen avant tout, hein !» C'est vraiment la facilité, ce truc. Avec ça, il peut tout excuser. Ah, tu fumes? Ah oui, je suis un citoyen avant tout. Ok. Tu bois de l'alcool aussi? Bah, évidemment, mais je suis un citoyen avant tout, hein. Moi, des fois, je roule un peu vite, je me fais flasher, je me roule des petits pétards, Je marche dans la rue, je suis arraché à lacet, je fous une balayette à un gosse, je récupère le corps, je le mets dans un coffre, je le démembre, je disperse un peu des parties de son corps dans différents fleuves de la région. Enfin, je suis un mec comme tout le monde, quoi. Attends. T'as dit quoi? Tu fais pas ça. Non. Non. T'as dit quoi? On fait tout ça? Tu fumes des jours? Non, je déconne. Ah, ok. Jamais tu me verras fumer. Je commençais à flipper. Non, j'ai besoin d'un très bon cardio pour pouvoir danser le Logobila. J'aimerais trop qu'elle m'aime, mais mademoiselle Valérie... Je peux entendre. Non, j'aimerais trop tout l'or des hommes. De toute façon, si on fout dehors, là, je pense qu'il va se faire taper. Si je suis loin de toi... Je me suis toujours demandé, est-ce que les keufs dans leur voiture, ils ont un autoradio comme nous? Genre, ils peuvent mettre du son et tout. Je sais pas, peut-être même, ils ont une station de radio spéciale pour keufs. Schmitt FM. Salut, c'est la matinale, il est 2h du mat et bienvenue sur Schmitt FM. Cette semaine, tourne la star roulette et gagne la matraque télescopique de ton choix. Et en plus, on repart avec un an de mise à pied rémunéré. Un an. Laisse ton matricule au standard et décline ton identité. Si on te rappelle et que tu décroches au beau milieu d'un contrôle au faciès, t'inquiète, on efface toutes tes bavures des 6 derniers mois. Tous les meilleurs sons pour te galvaniser avant une perquise sont sur Schmitt FM. Avec plus de 3 heures de sirène. Non. Il m'arrive des fois de regarder des films policiers français, et dans ces films, les flics, ils ont toujours besoin de rappeler leur grade. À chaque fois qu'il y a des flics qui se croisent dans ces films, ils font une sorte de combat de grade. Tiens, Charmio. Je me doutais bien que tu viendrais foutre ton nez dans cette affaire. Commissaire Charmio, j'ai accès au dossier, je vois pas pourquoi je m'en priverais. Occupe-toi de tes affaires, Truffin. Officier Truffin. C'est bien, t'as pris du galon. En revanche, t'as toujours une sale gueule. Fais le malin, génial. Mais regarde-toi, tu sens la vinasse, il est même pas 7h du mat. Inspecteur Gignol. Et ça m'étonnerait, j'ai bu que du gin. Regardez qui voilà, Copland. Lieutenant Copland. Mais... Alors maintenant, tu vas baisser les yeux, me respecter et sucer ma merde. Jamais le debout. Qu'est-ce que vous foutez ici, tous? La même chose que toi. Et puis t'es pas tout seul, on dirait. T'as récupéré ton vieux pote de l'APG. Putain, Brognard. Commandant divisionnaire, Brognard. T'as infiltré un gang de clodo ou t'as dormi toute la nuit dans le cul d'un rat? Si je suis là, c'est uniquement pour rencarder cette sale pourriture de Vergeton. Capitaine Vergeton, et parle-moi sur un autre ton. Parce que j'ai un 9mm chargé sans le cran de sécurité, prêt à dégainer caché dans le fond de mon froc, gentiment collé à ma grosse bite. Bonjour, messieurs. Commandant divisionnaire, commissaire. Inspecteur. Lieutenant. Bite. Ok, j'ai un California saumon, double gingembre, pour un certain Arnaud. Brigadier Arnaud. Merci. Olivier. Coursier. C'est mon nom de famille, coursier. Je parle pas de, genre, mon travail, c'est coursier, c'est mon nom de famille. C'est les deux. Je voulais pas préciser mon nom, c'est le... Je m'appelle Olivier François Romain Coursier. Ricochet. Ok. Ah les gars, j'ai d'autres livraisons là, hé.
fais des caprices. Bébé, je peux faire un tour sous Duplo et Caprice. Je peux vous dire, vous allez vous asseoir sur vos étoiles. Je peux mettre une sale note, hein. Moi je connais du monde. Bon, et sinon, ça va, vous avez passé une bonne journée? Oh, mais c'est trop tard, mon ami. Hein, t'auras pas une bonne note, je te dis tout de suite. Pas la peine de me lécher le cul. Ne fais pas ton petit numéro de comédien. Je suis moi-même comédien. Je suis Idriss Elba. Téléphone batterie faible, elle me fait des caprices. Yeah. Bébé, je peux faire un tour sous Duplo et Caprice. Téléphone batterie faible, elle me fait des caprices. Mon cœur est parti faire un tour. Skiskié. Ok. Ok, 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 ok. Ok, putain de merde. J'ai tout compris sauf la scène de fin. Franchement, la scène de fin pour moi c'est un mystère là. Est-ce qu'il est fort, fort, fort? Est-ce qu'il est fort, fort, fort? Et ça cavale, cavale devant le proc. Aval, aval, c'est de l'or, je débite depuis l'époque. 9000 lits, je vise le corps. Ça braquait, ça crie encore. Pas de haine, que des regrets. Pas d'amour, que des billets. La pute, elle est bien chargée. La coque, elle est bien coupée. Mes billets sont bien triés. Oh, bip, bip, je suis dans le bendo. Recharge le gun pour faire un carnage. Si tes potos font les beaux, ça va les charcler à un grand coup de hache.